Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tracteur test. Donc le tracteur test de la donne 680. Donc un pack d'ensileuses, de petites ensileuses. Donc c'est la version 1.0. Elle est sur le site LSQuiz 2013, ls2013.quiz.com. Celui qui l'a fait, c'est Schnurock. Puis voilà, donc le lien sera dans la description, hein, comme toujours. Donc on va faire un rapide tour de l'engin. Donc déjà, c'est une ensileuse, donc vraiment très bien modée, hein, vous pouvez voir. Là. Donc voilà, après on peut attacher une remorque directement derrière parce que je crois pas qu'on peut la buse elle se tourne, non je crois pas. Donc vous voyez, tac, on va monter un petit peu. Si j'y arrive, non. Bon, je vais vous montrer ça. Donc, quand elle démarre, vous voyez, donc quand on descend, il y a cet effet de pas descendre par terre mais descendre comme en vrai, donc sur le côté. Donc je vais vous montrer ça. Alors déjà, il y a le gyrophare, voilà, les phares, il y a F, donc vraiment très gros phare, F une deuxième fois pour derrière, et il y a 6 pour allumer les deux en même temps. Donc 5, il n'y a rien. Il n'y a pas de clignotant. Donc avec 1, 2, 3, il n'y a pas de clignotant. Après, vous pouvez voir là, il y a le ventilo qui tourne. Donc voilà. Après, ici, au niveau de l'échappement, il y a le petit capuchon qui saute et puis c'est rouillé. Donc ça fait un petit peu style vieille machine. Vous pouvez voir la buse, hein, c'est très bien fait, il y a même les petits câbles et tout ça, et le petit extincteur. Donc en vue intérieure, il n'y a pas d'IC, il y a juste la touche N pour descendre le volant. Donc voilà, intérieur, siège, voilà, c'est très simple, hein, et c'est un petit peu flouté, mais bon. Donc N pour le remonter, N pour le descendre. Il y a les pédales, quand on avance, elles ne bougent pas. Il n'y a pas d'effet spécial. Hein. Les poignées, il n'y a rien. Donc voilà, et il y a la virgule, donc la touche point d'interrogation, pour ouvrir la porte. Donc il n'y a que ça comme option. Hein. Il n'y a pas 10 000 options. Et donc, nous avons 3 barres de coupe. Donc je vais vous montrer ça au niveau prix. Donc elle coûte déjà 81 500 euros. Donc vous voyez, elle coûte 150 euros par jour. Elle fait, je crois, 213 chevaux si je comprends bien. Non, c'est des kilowattheures. Ouais, je sais pas. Après, vous avez une coupe, donc celle que j'ai là, qui coûte 4500 euros. Donc c'est pour ensiler du... Vous voyez, on appuie sur V et sur B, ça descend. Vous voyez, les petits engrenages, ils sont très bien faits, ils tournent aussi. Hein. C'est voilà. Donc on avance en vitesse 2, en vitesse 1. Donc vous voyez l'effet qu'il a mis sur son ensileuse. Vous voyez, il y a un petit effet bien sympa. Voilà, regardez, et puis après ça encile et ça va dans la remorque derrière. Donc la buse, je crois pas qu'elle peut se tourner, hein. Après faites l'essai, mais voilà, vraiment très très bien modé. Il y a toujours des petits détails bien sympathiques. Bon, après là c'est la version 1.0 du pack. Après faudrait qu'il fasse peut-être les clignotants, serait un petit peu mieux, voilà, faire mieux, parce que si vous regardez, quand on descend,
Voilà, les textures, c'est du gyrophare, c'est pas vraiment le mieux. Donc il y a l'échappement hein, qu'on voit. Il marche très bien. Quand on roule, il augmente aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ensiler la paille. Après, nous avons une deuxième qui est pareil. On peut ouvrir la porte avec virgule et tout. Donc là, c'est une deuxième barre de coupe. Donc un petit effet aussi. Bon, c'est pas les mêmes textures, mais pour ensiler. Ah, j'ai pas ouvert la buse. Donc c'est haut pour allumer la buse, ouvrir la buse. Donc voilà, il y a un petit effet aussi bien sympathique. Donc vous voyez, ça fait de l'ensilage aussi. C'est voilà, il y a les petits crans, c'est vraiment bien bien fait. Toujours l'engrenage. Et puis bon, le bonhomme il change pas. Hein. Et puis après une troisième. Alors je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je savais pas du tout. Mais apparemment, donc avec O pour ouvrir. Apparemment. Donc il y a toujours un petit effet, hein, c'est bien sympa. Donc apparemment on peut ensiler du blé. Alors ça je savais pas. Et de l'orge aussi, ça marche avec l'orge. Je vais vous montrer ça. Donc ça je savais pas du tout, mais et puis en plus ça, bah, ça ensile les deux. Il n'y a pas besoin de changer de remorque ou de vider la remorque. Ah si, elle se bouge la buse. Donc voilà, on peut l'attacher aussi hein, si vous voulez voir. Ici il y a la petite attache, on se met là. Donc normalement voilà, on peut l'attacher. Donc ouais, je savais pas du tout ça. J'ai rien d'y apprendre. Hein. Et on peut ensiler aussi l'herbe. Donc vous voyez, il y a toujours un petit effet. C'est voilà. C'est vraiment très très bien fait. Donc c'est sorti le 9 mars sur LS Quiz 2013. Donc vous voyez, voilà. Si vous voulez voir l'effet derrière, c'est toujours pareil, hein, y a pas, ça n'a pas changé trop les textures. Donc niveau prix, donc j'ai dit 80 500 euros la l'ensileuse. Après la barre de coupe pour maïs, pour les fleurs aussi, mais bon ça on n'a pas sur cette map. 6 500, 6 995. Celle-là, elle fait l'herbe, le blé et l'orge. J'ai essayé avec le colza, ça marche pas. Donc 5 950. Et 4 500 pour celle qui fait la paille. Donc voilà, ça doit être un modeur anglais et peut-être turc ou arabe, je sais pas. Mais voilà. Donc je connaissais pas cette marque parce que vous voyez, la marque c'est un truc voilà, bizarre, je sais pas. Donc c'est, ça doit être Don 680. Mais voilà, la marque c'est Pokémon, ou je sais pas trop quoi. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce tractor test. Je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Bab. Ciao tout le monde.